Allez, c'est parti pour l'installation d'un réa complémentaire sur ma salle d'en pour régler un problème sur l'enroulement de SPI par rapport à l'enroulement du génois. Donc ajout d'un réa. Pareil, vous pouvez imaginer de mettre un petit sambo de rappel ici pour qu'il reste là en place. Ouais. Sinon vous l'enlevez à chaque fois. C'est juste un clips rapide. Ouais. Ce que c'est quand vous l'enlevez, vous êtes obligé d'enlever toute la longueur avec. Du coup, parti de là. Ah, après, vous avez le bas de la voile. Ok. Ouais. C'est les mérillons bas. Ouais. Qui va venir lui se connecter donc sur la partie. Pareil, soit quand vous rangez le SPI, vous décidez, tac, là c'est bon, il est bien clipsé, soit vous décidez de tout ranger, ouais. Mais pareil, vous enlevez ça, ouais. Lui il faut bien le passer en dessous en plus, ouais. Il y a une histoire de cheminement. Tout est séparable, oui, vous pouvez même séparer la tresse et le SPI de ça, ouais. Bon, en règle générale, le mérillon bas, il va tout le temps lui rester sur le SPI. Ouais. Vous pouvez aussi le déconnecter, il y a un système. Mais il faut le déconnecter de là également. Mais il n'y a pas de raison fondamentale pour le faire. Il n'y a aucune raison effectivement de le faire. Donc ça c'est la préparation du bas. On a en tout cas l'emmagasineur avec le SPI qui vient au-dessus de tout. Ouais. Lui il va être ici à l'extérieur, ouais. De tout. Okay. Et le bout d'emmagasineur, lui vient à le tapon derrière. D'accord. Okay. Ça marche, ouais. Ensuite on a les mérillons hauts. Tu vas venir sur la brise. Ah là il est beau. Là il est beau. Écarte un peu si tu peux. Ah, on va pas passer inaperçu. Hein.
Voilà. Impeccable. On a réglé le problème initial. Ça enroule bien. On n'est plus gêné par le génois. Et apparemment, le bout de dehors que nous avons réalisé est parfaitement fonctionnel. Et il n'y aura pas forcément nécessité de le rallonger, comme précisé plus tôt, sur ce sujet particulier du bout de dehors. Ah, elle continue à rouler toute seule, mais tant mieux, c'est pas grave. Bon, elle a l'air bien libre là. C'est bon. Là, vous avez vu, ça n'a rien à voir. Ouais. Il vous faut toujours rouler avec celle-ci, c'est-à-dire celle du bas. Là-bas, c'est celle du bas dans le taquet. Ouais. Après, de toute façon, vous pouvez rouler dans les deux sens, hein, ça n'a pas une vraie importance. Mais en règle générale, c'est toujours par la gauche qu'on roule. Ouais, d'accord. Au niveau de la drisse, là-bas, ouais. Tu lui fais une petite marque sur le, derrière le taquet. Comme ça, il aura la marque repère du carquage. Pendant que moi, je fais ça, et puis on a fini. Alors, au niveau questionnement, on a vu que pour... L'AIC, il était préférable de laisser au moins le génois ou une partie du génois en place. Tout à fait. Bon, après, une fois c'est monté, on remballe le génois. Par contre, pour l'ouverture, l'angulation idéale. Alors attendez, il y a déjà plusieurs choses. Là, on vient de parler de dérouler. Donc, vous allez rouler votre génois, dérouler votre spi. Rouler le génois, mais avant de dérouler le spi, la configuration, enfin, je dirais le grand large. Grand large. L'arc grand large. L'arc grand large. D'accord. Il faut que le spi il ait de la prise au vent. Oui, tout à fait. Vous ne mettez pas au travers, vous ne mettez pas au vent arrière. D'accord. L'arc grand large, c'est un spi. Donc après vous pouvez jouer une fois que vous avez déroulé, vous pouvez jouer sur les angles, abattre un peu plus en choquant bien de l'écoute. Le spi, vous avez vu que le spi il est très épaulé, oui. Qui va venir se déporter au vent et prendre le vent de l'autre côté de la GV. D'accord. Si votre spi commence à s'effondrer, c'est que vous êtes trop abattu, oui. Ou trop bordé. Voilà. Et vice versa, quand le guindant il commence à faceiller, comme toutes les voiles, c'est que vous êtes trop lofé, ouais. Ou pas assez bordé. D'accord. Après, vous allez jouer entre ces deux paramètres, tension d'écoute. Et angulation au vent. D'accord. Okay. Plus vous abattez, plus vous devez choquer. Plus vous lofez, plus vous devez border. D'accord. Et question, est-ce qu'il est intelligent quand on, avant d'ouvrir le spi, ouais. De prendre des ris dans la grand voile? Non. Non, d'autant que vous n'allez pas envoyer le spi dans 25 nœuds, je pense. Oui, non, d'accord. Donc vous serez GV haute. Au contraire, GV haute, pour pas qu'il y ait du dévent. Okay. Alors après, pour la manip, donc là on a vu dérouler, c'est assez simple. Vous hissez, vous roulez génois, vous déroulez. Pensez bien à la drosse là-bas, à bien la mettre derrière le winch pour pas qu'elle vous emmerde. D'accord. Ok. Quand vous voulez enrouler le spi, première chose à faire, vous déroulez le génois. D'accord. Ok. Ça, c'est dans un cas normal. Hein. Première chose à faire, vous déroulez le génois, ce qui va déventer le spi. Mm-hmm. Ce qui va l'aider, du coup, à se rouler plus facilement. Une fois que vous avez déroulé votre génois, plus ou moins bordé, on s'en fout, vous roulez votre spi, toujours avec la gauche, qui est a priori d'accord. Celle du bas. D'accord. Okay. Si jamais vous roulez dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance capitale. D'accord. Et puis ça lui évite éventuellement de tourner autour de, voilà. Et d'aller se... Exactement. D'accord. Le fait d'avoir le génois, ça va éviter. Donc il nous aide quand on la hisse et il nous aide aussi à l'enroulant. Vous pouvez très bien même dérouler votre génois, votre spi avec le génois, c'est pas un souci. Ouais, ouais. Par contre, quand vous allez rouler le génois, faites attention que le spi se prenne pas dedans. Moi je préfère rouler génois, dérouler spi. Oui. Croisière, comme ça vous êtes safe, il n'y a pas de chemin. Oui. Par contre, pour enrouler le spi, déroulez le génois, ça va vraiment vous aider systématiquement. D'accord. Okay. En plus, quand vous avez fini votre manip, pour affaler le spi, si vous avez le génois, on va prendre avec le vent qui est ici, vous avez le vent qui est le génois qui est là, vous allez affaler le spi au vent, il va tomber dans le génois.
D'accord. Votre boudin, il va tomber dans le génois, jamais il partira à l'eau. Dans ce cas-là, vous vous mettez ici. Alors, soit, si vous êtes tout seul, vous vous préparez la drisse pour l'avoir dans la main. Vous prenez le trick ici. Là, vous allez le ramener, tac, au vent du génois, en lâchant de la drisse. D'accord. Une fois que la tête est passée, brouf, même si vous lâchez tout d'un coup, il tombera toujours sur le pont, puisqu'il tombe dans le génois. D'accord. Ça marche. Dernière chose, vous partez au tas, admettons. Il y a d'un coup, grosse rafale, le bateau se vautre. Vous partez au tas. Ouais. Le bateau se couche, ça peut arriver, ça risque de vous arriver. Ouais. Il y a quand même de la puissance là-dedans. Vous étiez en train de jouer un peu travers, machin. Ouais. Voilà. Le bateau part au tas. Première chose, on choque beaucoup d'écoute. Jamais toute l'écoute. Enfin, parce qu'après, sinon, vous risquez de la perdre, l'écoute. Ou alors, vous faites des petits nœuds au bout. Vous choquez beaucoup d'écoute pour que le suivi. Et là, vous remettez le bateau à plat. Le plus vent arrière possible, grand large. Si c'est vraiment la guerre que vous n'arrivez à rien, vous choquez de l'écoute, vous roulez. Terminé. Vous ne cherchez pas à rouler propre, vous choquez de l'écoute, vous roulez. Le spi se roulera toujours au bout d'un moment. Okay, ouais. Même si vous êtes couché sur la mer, vous choquez de l'écoute en grand. Déjà, le bateau il va se redresser quand il n'y aura plus de rien dans le spi. Et vous roulez. D'accord. Et après, vous essuyez vos gouttes. Vous faites le point, vous déroulez votre génois, vous affalez le spi. D'accord. Ok, ça marche. Ça, c'est vraiment dans le cas où vous partez au tas. Le premier réflexe, c'est l'écoute. Voilà. Écoute, ça va vous libérer la pression qu'il y a dans le spi. C'est le spi qui vous fait coucher. Hein. Mm-hmm. Une fois que vous avez libéré, normalement, le bateau se redresse. Mm-hmm. Vous arrivez à le remettre dans le droit chemin et vous roulez. Ou alors, vous repartez sous spi. Après, ça, c'est vous qui... C'est vous qui jouez, hein, c'est pas d'accord. Vrai. Et en termes de force de vent, on va se dire que la bonne fourchette. Moi personnellement, je dirais qu'en croisière, pour quelqu'un de raisonnable, à 18 nœuds, c'est plus nécessaire d'avoir on remballe, oui, d'accord. Voilà. Après, si vous êtes joueur qui a 20, 22, vous êtes bien au grand large. D'accord. En fait, plus le vent va monter, plus vous serez obligé d'être au grand large. Mm-hmm. Plus le vent est faible, plus vous serez obligé, enfin, plus vous serez empêché d'aller vers le grand large. Donc obligé de lofer un peu. Tout à fait. Après, vous allez pouvoir, dans 6 nœuds de vent, vous allez peut-être pouvoir lofer à, je vais dire, 80, 70 du vent réel. C'est possible. D'accord. Voilà, ça va vous faire un grand génois bien bordé à fond. Mm-hmm. Et puis vous allez avoir juste le guindant qui fait flop, 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 flop. Voilà. Mm-hmm. Il va se mettre un petit peu à l'envers, en fait, parce que le vent, il circule comme ça. Puis à un moment, vous êtes tellement pointu que le vent, il prend de l'autre côté du spi. Ouais, ok. Donc ça va faire flapper juste le guindant. Mais ça, c'est dans moins de 10 nœuds de vent, 8 nœuds de vent. D'accord. Plus le vent va monter, 8, 10, 12, 15, plus vous êtes obligé, au fur et à mesure, d'abattre. Et dans 18 nœuds de vent, vous n'irez plus jamais au travers. D'accord, d'accord. Ce sera que du portant. D'accord. Donc pour ouvrir avec un minimum syndical et se faire plaisir, quand on approche les 7, 8 ou... Les 7, 8. En termes de vent. On va dire le minimum syndical pour ouvrir... À 6 nœuds de vent, vous pouvez dérouler votre spi. À partir de 6 nœuds, on est bon. Même 4, hein. Ouais, d'accord. Vous pouvez essayer dans 4 nœuds de vent, d'accord. Si c'est mer plate et tout. D'accord. Au contraire, ça va vous donner, c'est un boost. Hein. D'accord. Donc mettez-le. Par contre, clairement, dans 4 nœuds de vent au vent arrière, vous n'arriverez à rien. Mais ça, c'est tous les bateaux. Vous serez obligé de lofer à... Si le vent est là, vous serez obligé de lofer à 120, 125, 130. D'accord. Pour qu'il y ait de l'air dans le spi, ça va vous créer un petit peu de vent et puis le bateau va accélérer. D'accord. Et la spécificité du spi asymétrique, c'est qu'on n'est jamais réellement sur une vente arrière. Tout à fait. On est d'accord. Vous n'arriverez jamais à faire du... Enfin, si, vous pouvez y arriver. Vous pouvez même vous mettre en ciseaux sous spi hein, quand vous serez à l'aise. Oui. Vous pouvez très bien mettre spi d'un côté, GV de l'autre. Mm-hmm. Ça le fait. Ouais. Par contre, il faut être finois à la barre. Parce que vous avez vu là, le spi part à droite, à gauche, machin. Ouais. Mais vous pouvez très bien. Après, je vous conseille, dès que le vent monte, de naviguer sur une allure du même côté pour éviter les empannages et le bordel. Quoi. Ouais, d'accord. Enfin, okay. Dans tous les cas, votre escape, c'est lâcher l'écoute, rouler le spi. Mm-hmm. Et même s'il est roulé avec des poches en vrac et tout, vous vous en foutez. C'est terminé, vous rangez. Quand il fera beau le coup d'après, vous renverrez, vous défrayez vos poches et vos bordels. D'accord. Alors, les petites astuces, quand il y a des problèmes de déroulement, c'est vraiment ça. Venir ici pour dérouler bien le... Et là, vous voyez, on l'a roulé vite fait et c'est roulé propre. Hein. Ouais. En bas, ce sera toujours roulé à peu près comme ça. Parce que là, il y a du... Enfin, surtout là, il est raide. Ouais. Là, il y a de la matière. Du coup, vous en foutez, le vent, c'est pas là qui prend. Hein. D'accord. Voilà, la contre-écoute n'est pas mise. Donc la contre-écoute, ce que je vous conseille...
c'est qu'elle soit toujours à l'intérieur. Si vous voyez à un moment qu'elle est à l'extérieur, c'est pas très grave en soi. Bon, surtout que vous avez l'encre. Mais ce qui risque de se passer, c'est qu'à un moment elle va passer à l'avant et elle va partir sous le bateau. Ouais, ouais. Et là, ça fout la merde. Ouais, voilà. Dans tous les cas, vous pouvez rouler pour empanner, ça vous fera moins. Ça vous pose un. Après, vous pouvez vous entraîner à empanner normal. Hein. Mm-hmm. Voilà, n'oubliez pas d'attacher le sac quand vous envoyez. Là, on n'a pas trop fait à quai. Mais si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre votre sac à l'eau. D'accord. Il est attaché. Ouais, ouais. Ok, impeccable. Merci Raphaël. C'est bon pour tous ces renseignements.